Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Direction Nord Kivu, plus précisément à Goma, où la société Virunga Énergie porte à la connaissance du public que ses équipes ont réussi à réparer de manière temporaire l'une des deux lignes endommagées lors des affrontements et remercie sa clientèle pour sa patience, surtout les techniciens qui n'ont pas hésité à s'exposer au danger pour rétablir le plus vite possible le courant dans la ville de Goma après la coupure observée. Hier lundi, aux environs de 18h, la solution définitive nécessite de réparer les deux lignes. Aussitôt arrivé à Goma, dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Christian Chiwewe a présidé une réunion de commandement militaire. La situation sécuritaire dans cette partie du pays était au centre des échanges. Images et commentaires. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023, en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général de FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Agricoles ont été formés sur la transformation agricole qui vise à améliorer la sécurité alimentaire de la culture dans quelques territoires du Nord Kivu. Autre détail dans ce reportage. Plus de 34 000 ménages au Nord Kivu, précisément dans le territoire de Nirangongo, Rutshuru, Walikale, Masisi, Beni et Lubero, vont bénéficier du projet d'appui au secteur agricole. Projet qui vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire, mais aussi améliorer la productivité et la rentabilité de quatre cultures, notamment le maïs, du riz, de pommes de terre et le café arabica pratiqué par le petit producteur. Réunis autour d'une table ce lundi à Kinshasa, les membres du comité national du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu, PASA NK en sigle, entre autres les experts du ministère de l'Agriculture, du budget, du plan et du développement rural, ont revisé le plan du budget annuel 2024 en vue de relancer ce projet lancé depuis 2019. Et ce projet, c'est un projet que moi, personnellement, je qualifie d'un projet de développement à la base. Comme aujourd'hui, nous avons le projet 145 territoires du chef de l'État. Ce projet ici rentre dans ce cadre-là parce qu'il tient compte des infrastructures de base, les routes, des sites agricoles. Il appuie les communautés de base dans le cadre de l'agriculture. Et maintenant là, nous avons en même temps à l'occasion approuvé, validé le PTBA 2024. Qui se chiffre à 9 millions et plus. Ces projets accompagnent les communautés de base et répondent à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est de la revanche du sol sur le sous-sol pour l'émergence du pays. Et puis l'Institut national des statistiques prend une nouvelle orientation. Le comité de gestion s'est engagé à améliorer les conditions de travail, engagement pris à l'issue de la réunion du conseil d'administration. Un commentaire de Cédric Enina. Collecter, analyser, produire et diffuser les informations statistiques au profit du gouvernement de la République pour une efficience dans la mise en place des politiques publiques, voilà les rôles de l'Institut national des statistiques. Et ses premiers conseils d'administration, de l'INES, a permis de mettre en place des paramètres pouvant servir de guide dans la réalisation d'activités. Les premiers défis restent l'amélioration des conditions sociales. Nous avons trouvé l'Institut national de la statistique dans une situation très difficile. Alors notre premier défi
que nous allons pouvoir relever, c'est de pouvoir chercher les capacités financières nécessaires pour redresser l'Institut national de la statistique. Et pour le faire, nous allons nous appuyer sur notre tutelle, qui est le ministère du Plan, qui doit nous aider à avoir les moyens au niveau du gouvernement pour que nous puissions redresser la situation que nous avons trouvée. Les responsables de l'Institut national des statistiques sont décidés à redorer l'image de cette structure. Passons à présent à cette clôture de formation des membres des bureaux de vote, dépouillement et des centres de compilation des résultats pour le scrutin du 20 décembre prochain par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo. Parmi les participants figurent les formateurs électoraux nationaux, provinciaux et chefs d'antenne. Un reportage signé Teti Samba. 1364 participants à cette formation sont devenus membres des bureaux de vote et des dépouillements et des centres locaux de compilation des résultats à l'issue d'une formation assurée par 145 facilitateurs experts de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant 10 jours, ces participants ont été outillés sur les procédures des opérations de vote et de dépouillement, la manipulation des dispositifs électroniques de vote, le remplissage des fiches, la constitution des plis des résultats électoraux. Cette série de formations a été clôturée par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo Moulembéry, dans l'enceinte de l'amphithéâtre de l'Université William Booth. Vous avez été formés pour être les formateurs des formateurs. Et comme nous le disions, nous sommes au niveau 2 qui vient à peine de se terminer et assemble avec tous les autres qui sont éparpillés sur l'ensemble du pays, vous serez appelés à faire la même formation ou à répliquer la même formation à d'autres catégories que sont les formateurs électoraux territoriaux et les membres des centres locaux de compilation ou les MPPD qui vont également s'en suivre. Je déclare close la cascade de la formation du niveau 2. Les participants à ces travaux se sont dit satisfaits de la qualité des matières dispensées en remerciant le management de la CENI pour cette initiative. Le test d'admission à la bourse Excellencia spéciale Ola Babora, organisé par la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi sous financement du gouvernement provincial du Lualaba. Le gouverneur de province a encouragé chaque participant et a remercié la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi pour sa considération envers la jeunesse lualabaise. Images et commentaires. Le samedi 4 novembre 2023 est consacré à l'identification des récipiendaires ayant obtenu 70% et plus aux épreuves de l'examen d'État. Dimanche 5 novembre 2023, journée prévue pour l'épreuve proprement dite, l'avenant de province, marraine de l'organisation, a tenu à encourager les élèves tout en promettant son accompagnement dans leur parcours universitaire. Visiblement affectionnée à ses élèves qu'elle considère comme ses propres enfants, Marie-Thérèse Masuka Saini a vivement remercié la très distinguée première dame Denise Nyakiru Tshisekedi pour les efforts consentis et l'amour qu'elle témoigne pour la jeunesse lualabaise. L'autorité provinciale a refusé de respecter son temps de repos en cette journée dominicale pour se consacrer à l'armement moral et à la prière pour ces jeunes lauréats lualabais. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez être très calme. Toute la province vous regarde. Ce sont des tests exceptionnels. Ne vous précipitez pas. J'ai foi en Christ. Bonne chance à vous tous. 55 élèves au total ont été soumis à 100 questionnaires, dont 25 en mathématiques, 25 en français, 25 en anglais et 25 en culture générale. Si les heureux lauréats du test Excellencia Lola Babora seront envoyés dans la plupart des bonnes et grandes universités du monde, le gouvernement Masuka, sur recommandation du président Tshisekedi, préconise doter le Lualaba dans un délai raisonnable des infrastructures universitaires de standard international. La ministre du Genre, Enfants et Mireille Massangou et la délégation du Programme alimentaire mondial PAM viennent de séjourner dans la province du Tanganyika. Avant son retour à Kinshasa, la patronne du genre a participé à une messe eucharistique organisée à Lubumbashi
dans la province du Haut-Katanga. Yvette Makuntima et Eric Djoké pour le reportage. Après une mission réussie à Kalemi et à Kabalo, province du Tanganyika, avec la délégation du programme alimentaire mondial PAM, conduite par l'Altesse royale de la Jordanie, Sahra Zeid, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massaoubi Moloko, a mis à profit son séjour de travail pour exprimer sa gratitude envers Dieu. C'était au cours d'une célébration eucharistique organisée en la basilique Sainte-Marie de la commune de la Kenya à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. La patronne du genre, fidèle à Dieu et très engagée dans la vie chrétienne et la foi catholique, n'est pas venue bredouille. Elle a offert à Dieu les chants d'action des grâces, mais aussi les offrandes au Très-Haut. Cette mission de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massaoubi Moloko, démontre l'engagement du gouvernement de la République à soutenir l'éducation et assurer une alimentation saine et adéquate aux enfants des écoles primaires, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Institut supérieur des technologies médicales, ISTEM, Lodja, a clôturé son année académique. La matière grise acquise par les étudiants sera mise à profit à la communauté. Revenons sur cette cérémonie dans ce commentaire de Cédric Enina. L'Institut supérieur des techniques médicales lance sur le marché de l'emploi des scientifiques. Pour cette année académique qui s'est clôturée, l'ISTEM Lodja a inscrit plus ou moins 850 étudiants pour l'année académique 2022-2023, répartis dans plusieurs filières, notamment soins généraux, sages-femmes, gestion des institutions sanitaires, nutrition, kinésithérapie, pharmacie, biologie médicale ou encore laboratoire. Son directeur général, le professeur Patrick Ilunga, pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour la matérialisation de la vision qui place l'étudiant congolais au centre de toute question de développement. Pour ce qui est de l'enseignement, les charges horaires ont été respectées et les évaluations se sont bien déroulées. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter les corps académiques et scientifiques de l'ISTEM Lodja pour leur abnégation affichée tout au long de cette année académique. Pour finir, le secrétaire général académique Évariste Bayambo Tamboué et celui de la recherche Jean Makaye ont également présenté les efforts fournis et consentis par cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire avec plusieurs chercheurs et chefs de travaux nommés qui font aujourd'hui la fierté de cet établissement et de la province du Sankuru. Samedi 4 novembre, la population de Kipamba dans le Olomami a vécu le week-end dernier la visite de Danny Banza, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, a été porteur de messages d'espoir à travers un meeting devant des étudiants militants des partis politiques. Images et commentaires. Novembre, une date qui restera désormais inscrite en ligne d'or dans les annales du village Kipamba, chef-lieu de la chefferie de Kinkunja, province du Haut-Lomami. Un jour pas comme les autres, un atterrissage triomphal de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Danny Banza Maloba, venu pour communier avec ses frères, sœurs et surtout sa belle famille habitant de Kipamba. C'est le grand chef Kinkunja Lundanga Ndumba Yautoka et toute sa notabilité, à côté du représentant personnel de la gouverneure de Haut-Lomami, Excellente Sami Yumba, qui ont accueilli l'homme de développement à sa descente d'avion. D'abord à pied, puis sur l'équipoy, Danny Banza Maloba a effectué des dizaines de kilomètres plongé dans un bain de foule d'une population à liesse avant d'atteindre la cour royale où il était attendu par une marée humaine venue pour écouter son message d'espoir et surtout de recevoir les salutations venant fraîchement du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons réalisé de travaux de forage pour soulager la population et donner de l'eau à tout le monde. Je suis venu poursuivre l'œuvre commencée par feu Antoine Gabriel Kyungu Akumanza, celle du fédéralisme, à ne pas confondre avec la sécession. Il faut noter que dans la foule venue pour accueillir l'ambassadeur Danny Banza Maloba, on a pu remarquer la présence de plusieurs forces vives de Kinkunja. Étudiants, femmes des militaires, femmes des policiers, associations socioculturelles, partis politiques, même les tout petits enfants étaient au rendez-vous pour manifester leur attachement et surtout leur soutien
à ses dignes fils de Kabondo et au chef de l'État Antoine-Félix Tshisekedi Tshilombo. À la police nationale congolaise, plus de 50 inciviques dans la commune de Mongafula ont été présentés au commissaire provincial de la PNC, ville-province Kinshasa, Blaise Kilimba-Limba, par des éléments de la PNC lors d'une parade tenue hier dans la commune de Mongafula. Patricia Ongou et Pascal Chichot ont signé ce reportage. Ils sont au nombre de 50. Ces hommes et femmes ont été présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville-province Kinshasa, le général Blaise Kilimba-Limba, par les éléments de la police nationale congolaise, lors d'une parade tenue au terrain Kopela, au quartier Tchad, dans la commune de Mongafula. Ces bandits à main armée, ces koulounas et voleurs qui s'adonnent aux raquettes et autres extorsions pendant les heures tardives. Au cours de cette parade, le général Blaise Pascal Kilimba-Limba a rappelé la mission principale aux éléments de la police, celle qui consiste à la protection des personnes et de leurs biens. Le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu, a salué la descente du commissaire provincial de la police dans sa commune. La commune est confrontée à des sérieux problèmes. Vous avez vous-même constaté que nous sommes une commune paisible, mais beaucoup de koulounas viennent d'ailleurs. Ils viennent même de Mombé, les Gombé, par-ci par-là, déranger la quiétude de notre juridiction. Mais grâce à la force, à l'intelligence de la police, les résultats sont là. Je pense que nous n'allons pas baisser les bras parce que la vision du chef de l'État, c'est la paix. Peu après, le général Blaise et sa suite se sont rendus à la frontière entre la commune de Kisenso et de Mongafula pour la même cause, celle de la sécurité. Vote judicieux en République démocratique du Congo, une vaste campagne de sensibilisation sera lancée dans les prochains jours à Kinshasa à l'intention des filles mères, des personnes de troisième âge et des orphelins. Message lancé par Laetitia Kamanga devant des centaines de Kinois, ceci dans le but de mettre fin aux injustices sociales envers les vulnérables. Eric Kabamba a signé ce reportage. C'est une ambiance électrique dans cette salle où se déroule la manifestation relative au lancement des activités de cette structure. Hommes, femmes et jeunes, tous sont mobilisés pour accompagner le combat de cette nouvelle structure qui se veut une solution aux injustices sociales face aux vulnérables. La FLK a mis tout en œuvre pour l'encadrement de filles mères, de personnes de troisième âge, mais aussi les orphelins. La structure va également financer les différents projets pour contribuer à l'équilibre familial. L'initiatrice Laetitia Kamanga estime que les femmes jouent un rôle très important dans le développement d'une nation. Dans sa lutte, elle assure de mener chaque femme à réaliser ses objectifs et en appelle au soutien et à l'accompagnement de tous. La présidente de la FLK a par la même occasion rendu un hommage mérité au ministre d'État en charge de l'urbanisme habitat Pius Mabilou pour ses efforts dans l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Laetitia Kamanga s'est dit inspirée du Soumabilou, dont elle salue l'engagement à servir les autres. Avec les élections qui pointent à l'horizon, elle promet d'œuvrer pour la paix et mobiliser les moyens nécessaires pour permettre aux femmes d'opérer un choix judicieux aux prochaines élections. Et cela passera par une vaste campagne de sensibilisation qu'elle compte organiser dans toutes les communes d'ici la fin de cette semaine. Académique 2023-2024, l'école doctorat sera fonctionnelle à l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe, annonce faite par la directrice générale de l'ISP Gombe, Gertrude Ekombe Ekofo, qui a aussi présenté quelques innovations à l'ISP Gombe. Yvette Mapontima, reportage. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP Gombe, avec ses filières habituelles, notamment la gestion commerciale, financière, informatique, gestion d'entreprise et technique d'accueil, c'est ISO standard international en intégrant la donne, recherche et innovation. À titre illustratif, l'actuel comité de gestion dirigé par la directrice générale, professeure Gertrude Ekombe Ekofo, fait de l'arrimage au système éducatif, licence master doctorat LMD, son cheval de bataille et lutte contre les antivaleurs afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle d'investir dans l'homme. L'ISP Gombe fonctionne avec 5 sections et 13 départements.
L'ISP a procédé à la proclamation des premiers licenciés du système LMD au département des sciences. Nous avons eu aussi à proclamer les 25 lauréats, qui sont les premiers diplômés d'études approfondies en didactique de discipline. Le DA qui est aujourd'hui l'équivalent dans le nouveau système du master. L'ISP vient d'obtenir par arrêté ministériel l'autorisation d'organiser l'école doctorale. Donc l'année 2023-2024, l'école doctorale sera fonctionnelle. Depuis l'avènement du comité Ekombe-Ekofo Gertrude, l'ISP Gombe fait petit à petit peau neuve, de nouveaux bâtiments sortent des terres, la maîtrise de la gestion financière gage d'un climat social apaisé. En culture, la 4e édition, la Soirée des Arts, se tiendra le 9 novembre prochain à Kinshasa. Ce rendez-vous des artistes sera célébré sous le thème « Égalité des sexes et le contenu qu'offre la femme dans la